un peu difficile, surtout on a le sentiment que ta première balle, ton premier service avait du mal à passer et que ça t'a un peu énervé. Ouais, après ça dépend du moment, du score et du match, mais mm-hmm. sinon, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des périodes. Comment tu as abordé ce match ? Parce que on a le sentiment que tu n'étais pas très dedans, qu'il y avait quelque chose qui t'empêchait de donner le maximum de toi-même. Et puis il y a eu à la fin quelques échanges. On a même été un peu ébloui par ces échanges, mais on a le sentiment que le jeu a été très haché en permanence. Ouais, c'était surtout que c'était beaucoup des jeux de service, donc même elle, elle servait très bien, donc c'était très dur au retour d'engager l'échange. Et puis même moi, mes jeux de service, même si mes premières balles apparemment n'étaient pas tout le temps dedans, mais sinon j'ai fait des bons jeux de service. Mm-hmm. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'échanges. Et puis la surface, elle est assez rapide, donc c'est dur. Après, dans le tie-break, quand il y a 6 partout, forcément, bah, on essaye de mettre un petit peu plus. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de jeux. On a le sentiment que tu as mieux fini que tu as entamé le match. On a vu par moments que tu étais énervé vis-à-vis de toi-même parce que tes coups, tu n'arrivais pas à les finir. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as pu te dire pour te remonter un peu le moral ? Au lieu de me dire en fait c'est pas bien ce que tu fais et tout ça, là, je me suis mise à plus m'encourager au fil du match. C'est pour ça que c'était de mieux en mieux. Donc, voilà. Donc ça te propulse en quart de finale, tout ça ? C'est ça, ouais. Donc là, pour aujourd'hui, c'est terminé. Oui. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu l'as bien fait. Donc tu vas jouer demain. Est-ce que tu connais déjà ton adversaire de demain ? Oui, alors demain, je crois que je joue demain matin, je joue contre Virginie Razzano, que je n'ai jamais joué. Tu l'as jamais joué. Donc, et entre aujourd'hui et demain, comment tu vas aborder cette journée ? Tu vas faire le vide dans ta tête ou tu vas plutôt concentrer, essayer de trouver une tactique t'entraîner pour essayer d'améliorer par exemple ton premier service ? Voilà, déjà cet après-midi ça va être de la récup. Repos, voilà. Et puis après petit à petit se préparer pour le match de demain. Pas forcément trouver une tactique, mais essayer de se remettre dedans parce que c'est un nouveau match contre une nouvelle joueuse que j'ai jamais joué, que je connais pas. Donc bien se concentrer et se préparer. Est-ce que le fait de jouer le matin, ça peut être un handicap ? Est-ce que tu aimes jouer le matin ou tu détestes jouer le matin et que tu préfères jouer en fin de compte l'après-midi, après la sieste, je ne sais pas, 16h, 17h ? Ah, ça dépend. Là, je vais dire que j'aime bien jouer le matin parce que j'ai gagné ce matin. Maintenant, après, ça dépend les tournois. Je ne peux pas dire forcément que j'aime bien le matin. Oui, j'aime bien jouer le matin. Mais j'aime bien aussi jouer l'après-midi. Donc, je ne veux pas forcément de... Ça dépend, en fait. D'accord. Bah, en tout cas, merci et puis bravo pour ta victoire. Et